11h-13h, Stéphane Roca sur Sun Radio. Et c'est reparti sur Sun Radio. Il est actuellement 11h du matin. Sun Radio, la radio du soleil et de la bonne humeur. On retrouve tout de suite l'horoscope de Marie Cheval et je crois qu'elle a une nouvelle assez importante à nous annoncer aujourd'hui. Marie ? Eh oui, tout à fait. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Il y a du changement du côté des étoiles. En effet, ce 23 juillet, je pensais, comme chaque année, célébrer l'arrivée du signe des lions, mais un rapport de la NASA est tombé hier. Selon l'Institut américain, les dates des signes astrologiques ne correspondaient plus au ciel actuel. Résultat, le calendrier astral vient d'être modifié et 86% des personnes sont touchées. Et c'est peut-être votre cas, mais c'est surtout le cas de tous les lions nés au mois de juillet. Et oui, mes amis, vous voilà Cancer. Voici le nouveau calendrier officiel publié par la NASA. Joyeux anniversaire, à de suite. Tous les signes deviennent autre chose. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, c'est à qui ? C'est à qui ? C'est à Mais une petite question me taraude, Marie. Est-ce que ce serait pas une revendication des gilets jaunes, encore une fois ? Eh bien, tout à fait, car la couleur... Yo, j'avoue, je me suis pas réveillé, je suis à la bourre, désolé. Bon anniversaire, Costa. J'arrive tout de suite. À tout de suite, mes Lion Kings. Però, Catenazzo, che donna sei. Io delle donne non mi fido, il corteggiamento è un rito. Troppo spesso si finisce che una donna ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more. A me basta che siano tonde e disposte a far l'amore. Io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel de l'enfant béni. C'est pas le jour. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? On est le 23, on n'est pas le 23. Check le mon pote. Ouais, mais c'est chaud là. Bon anniversaire, Costa. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est parce que je suis en retard, c'est ça ? Ça va, les gars, il est 13h15. Tais-toi, putain. T'es sérieux, c'est moi ? T'es sérieux, tu fais ça devant mes yeux ? Oh, c'est bon, désolé. Vous avez pété un plomb ou quoi ? Qu'est-ce que vous me faites ? Costa, t'es le mec le plus attaché à ton anniversaire ? C'est même toi qui as inventé le check lion, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh putain. On est le 24. Je suis désolé, on est le 24. Oh putain, on n'est pas le 23. On est le 23, c'est pas ça le problème. Et c'est quoi alors ? Ben, c'est fait que Costa est... Arrête. C'est pas à toi de le dire, c'est à lui. Merci Emma. Bah oui. T'es fait larguer ? Non, même pas, arrête, s'il te plaît, laisse-moi finir, c'est dur. C'est dur. Putain, t'as perdu quelqu'un ? Arrête ! Laisse-moi finir, je te dis. Ok, vas-y. Je suis plus lion, Masta. Je suis plus lion. Je suis plus lion. Comment ça, t'es plus lion ? Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Emma, tu lui as encore fait une vanne ? Arrête, il comprend pas. Regarde dans quel état tu le mets à chaque fois. Là. T'as pas écouté les infos ? Les dates ont changé. Les dates de la Lions ? C'est plus le 4 ? Non, c'est chiant ça, parce que je me suis organisé et tout. Mais non, les dates de nous ! Les dates des Lions, ça a changé ! Ça a changé, c'est plus l'horoscope, pareil ! C'est plus... Je suis plus lion. Mais alors, t'es quoi ? Que t'es devenu cancer ? Non, il est pas devenu cancer. Arrête. C'est même pas drôle, là. Bah si, ça va, c'est un peu marrant. Enfin, arrêtez, on a toujours eu des doutes. Déjà, enfin, désolé de te le dire comme ça, mais t'es né le premier jour des lions, donc il y avait une marge d'erreur. Et puis en plus, tes comportements, ils ont pas toujours été très lionesques. Rappelez-vous en 2005. C'est quoi, lisez-lui l'article, moi je peux pas. Lisez-lui l'article. Je t'ai écouté. Ok, passe-moi au téléphone. Vous pensiez être bélier, vous êtes peut-être en réalité poisson. Ou cancer.
Pardon, ça va. La NASA a décidé de mettre à jour les dates correspondant aux signes astrologiques, afin qu'ils correspondent au ciel tel qu'il est de nos jours. Et cela entraîne des changements chez bien des personnes. Avis à toutes celles et ceux qui lisent religieusement leur horoscope tous les matins, qui ont étudié leur compatibilité de leur signe astrologique avec celle de leur partenaire, et pour qui l'astrologie est C'est quoi passion. Les dates? C'est quoi là? Moi je suis quoi? Je suis taureau, je suis bélier, je suis... Oh, vas-y, c'est bon. Allez, putain. Ok, si vous êtes né entre le 20 juillet et le 10 août, vous êtes cancer. Si vous êtes né entre le 10 août et le 16 septembre, vous êtes lion. Oh putain, Pizzo il est lion. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous regardez comme ça? T'es né le 7 août, Masta. Ouais. Bah, si vous êtes né entre le 20 juillet et le 10 août, vous êtes cancer. C'est n'importe quoi. Enfin, je suis désolé, ce que tu lis, c'est de la merde. C'est de la merde, ce qu'elle lit. Enfin, on est d'accord avec ça? On l'écoute? C'est qui a dit ça, déjà? C'est qui? C'est la NASA. La NASA? Ok, donc déjà, les mecs les moins fiables du monde. Je sais, Masta. Enfin, non, mais me touche pas, recule, t'es chiant, là. Non, mais... Arrêtez de me regarder comme ça, ok? On va se calmer. Parce que là, on est tous à cran, on réagit n'importe comment. Écoutez, moi, c'est pas des dates, d'accord, qui vont me dire si je suis lion ou pas lion. Moi, mon sang, c'est du sang de lion, d'accord? Mon cœur, il bat pas, il rugit. Alors là, c'est pas parce que t'as lu un article de merde que... Écoute, vous savez, on va faire un test. Fais un test. Tu comprends pas? Fais un test. Ok, tu sais quoi, Max, prends un horoscope. Tu nous lis le lion et le cancer sans dire lequel est lequel et on choisit chacun celui qui nous correspond plus. Ouais. C'est bon? Bon ben, si vous pensez que l'on c'est le premier, vous levez le bras. Si vous pensez que c'est l'autre, vous le baissez. C'est chaud. En même temps... Plus j'y pense, plus je me dis, il y a des signes qui trompent pas. Ah, je veux dire, je sais pas, je me suis jamais senti séducteur plus, par exemple. Je sais pas toi. Et puis, tu sais, quand j'étais petit, je voyais tout le temps un cousin à moi, il était cancer. Et t'as vu, j'osais pas trop l'avouer, mais je m'entendais grave bien avec lui. Comme si je le comprenais. Tu vois, peut-être que j'étais cancer depuis le départ. Non, mais attends, non, ça a pas de sens. D'accord? Moi je suis lion, je suis pas cancer. C'est toute ma vie d'être lion. Alors je vais pas changer aujourd'hui. Et je dis pas qu'il y a pas des cancers sympas, d'accord? J'en connais pas. Mais moi ça me fait chier, voilà, d'être cancer, ça me fait chier, c'est tout. Mais qu'est-ce que je vais dire à ma meuf? On devait appeler notre fils Léo? Non mais... Je suis désolé, moi je me sens pas cancer, d'accord? Et puis ça va être quoi? Demain je vais être poisson? Ou bélier? Non, je suis désolé. J'accepte pas. La défense est prise à revers et gagne du terrain, c'est du beau travail. Tout est parti de cette passe sur la gauche. Ok, bah avec Max on a parlé. Et on peut plus continuer comme ça. Mais de quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ne nous interromps pas, s'il te plaît. C'est hyper impoli. C'est juste qu'on est... Enfin, on n'a plus envie de rester dans un mensonge comme ça. Dans le mensonge? Non mais pour qui vous vous prenez, là? Quel mensonge? C'est un mensonge, ça? Déjà, arrête de t'énerver. Et me montre pas ce tatouage, parce que tu peux pas prétendre d'avoir ça, là, sur ton bras. C'est n'importe quoi. T'es même pas lion. Vous l'avez peut-être même jamais été, en fait. Et quand j'étais hébergé pendant 3 semaines, j'étais pas un lion, là? Ok, reparle pas de ça, s'il te plaît. D'ailleurs, je sais même pas comment t'as pu rester 3 semaines. J'ai un cancer. Ok, les gars, ok, attendez, je veux bien... Je veux bien qu'on soit... plus lion, ok. Mais... Enfin, je sais pas, ça reste mon anniversaire aujourd'hui, on va quand même, non?
Ouais, tiens d'ailleurs, c'était pour toi à la base. Ah bah merci. Sur les anniversaires. Mais tu fais quoi, elle lui donne pas ça. Ça va pas. En plus, t'avais fait un astro, on l'a gratté, puis t'as perdu. Puis... Mais partez en fait. Mais Emma, on est chez moi en fait. Oui bah viens, nous on part. Ouais. Puis viens, on enlève tout ça là, c'est n'importe quoi. Enlevez... Vous enlevez quoi? Non. Non, 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 faites pas ça, non, non, pas. Non, je rigole pas. Regarde pas. Non, arrête, regarde. Arrête, non, je... Non, non, arrête, les... Non, non, pas, pas la baie, pas la baie. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Tous les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Oui, rapporter vos affaires. Voilà. Ok, merci. C'est qui eux là? C'est des cancers. Ils sont sympas. Ok. Y'a quelqu'un là? Y'a du bruit? Non, y'a personne. C'est quoi? Attends, Emma, laisse-moi entrer. Non, Masta, laisse-moi entrer. Emma, c'est quoi ce bruit? Laisse-moi. Du coup, je rugis maintenant ou après? Max c'est... Pat? C'est pas ce que tu crois. Max. Waouh. Waouh. T'es nerveux pas, hein? Il est lion maintenant avec les... Ouais, je suis lion. Non, non, je m'énerve pas. Faites vos trucs. Juste, tu peux jouer au lion là autant que tu veux. À mes yeux, tu resteras jamais une sale petite vierge de merde. T'es juste jaloux. Poufias! Bon, cancer c'est cool, mais le lion était vraiment mieux. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, je t'ai fait mal? Non, non, c'est juste le mot qui est encore un peu sensible. Ah oui, mais c'est quoi cette histoire, vous m'avez pas raconté? Bah t'es pas au courant? Les dates elles ont changé. Tu sais les dates de l'astrologie, tout ça. Quoi, le truc de la NASA? Ouais. Ouais. On est plus lion. On est cancer et du coup... Non mais les gars, c'est un truc parodique. Enfin c'est un canular. C'est un truc qui s'est sorti sur un site, c'est hyper vieux, et genre là, c'est ressorti. Mais non. Sérieux? Bah ouais. Donc c'est faux. Mais non, mais c'est pas possible. Donc on est toujours lion. Mais non. Ah, mais je comprends, mais... Ah, non, mais du coup, vous pensez que... Mais vous êtes trop con. Mais non, arrête. Bah moi, j'avoue, ça a été dur au début, mais... Mais non, mais attends. C'est faux. Bah bien sûr que si, c'est vrai, c'est faux. C'est complètement faux. Non, c'est pas vrai, Marine. Si. Bah si, c'est sorti aux infos il y a deux jours. On est lion. J'en étais sûr. On est lion. J'en étais sûr, je te l'avais dit, mais on n'est pas cancer, c'est n'importe quoi. Yes. Oh, je le savais, putain. Arrête tout. Ouais, stop. Et fais autre chose. Vas-y, on... Enfin, change. Fais un énorme n'importe lion. Quoi, on a un cancer sur le bras, n'importe quoi, vas-y, fais autre chose. Vas-y. Non mais les gars, enfin ça va être chaud, je peux pas vous enlever ça, enfin c'est tatoué. Bah tu te débrouilles. Ouais. Comment ça, je me débrouille? Non, je peux pas. Bah attends, moi t'as pas fini. Il y a écrit que CA, donc tu peux écrire autre chose. Écrit cacahuète. Voilà. Quoi?